Ou mon super nutradio. Ah, oh, c'est sûr que j'ai un patch. Il va y avoir une patch pour le nutradio. Ouais, c'est sûr que ça va. Je te gâche que c'est un enfant battu, ses parents l'aiment pas. Il sent le cheese. Hey, Jacques, c'est moi la main, d'accord? Bonjour, la compagnie! Regardez ce que je vous apporte. Pour toi, Cassoulon Alexis, j'ai des beaux carrés au Rice Krispies. Et pour toi, Microbatusiaque, j'ai volé des pilules floqueurs à mon grand-père. Ouais, je me demande de quoi la réunion va parler aujourd'hui. Il paraît qu'il va y avoir une nouvelle sorte d'exo. Oh, ça commence! Ce samedi matin, afin d'annoncer la mise sur pied d'un nouveau châtiment. Dorénavant, tous les membres de la confrérie des scouts, section 5 de la Louest, devront obligatoirement faire quotidiennement, avant le coucher du soleil, une bonne action. Tout contrevenant devra vous racheter sa faute. Peindre tous les bisons de la prairie canadienne. Mais, je ne suis pas un monstre. Celui ou celle qui remplira ce nouveau rôle avec le plus de dévotion se verra remettre le badge de la serviabilité et le grade de cèdre fougueux. Cours, 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 petite sauterelle utile. Cours à la recherche d'une bonne action. Yon, yon, yon. Sinon, tu vas peinturer des bisons. J'y vois une espèce de franchate, une sorte de doudisme. On y sent aussi un certain mysticisme entre l'artiste et son médium qui est le plus déconcertifiant. J'aime aussi le côté tour à terre, une sorte de doudisme. Bien sûr! Doudisme. Surréaleux! Surréaleux, tu trouves? Bien sûr! Regarde là! Cette œuvre me ravifie. Je dirais plutôt surréalisate. Oui, surréalisate. Dans une œuvre comme celle-là, on peut y voir toute la force du temps passé et forêt. La souffritude de tout un populo. Cette œuvre me ravifie. Il est égricite, géopolitique, ouate, de la couleur qui lui donne ce côté insouffliant. Bien sûr! Avec un prix aussi élevé, ça ne peut pas être autre chose que... génialicite! Cours, 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 petite sauterelle utile. Il n'y a pas là que du sexe, mais aussi une connotation plus... érotique.
de l'œuvre montre bien le côté tordu et sadomasochiste de l'artiste. Et par la couleur, tendresse et violence se mélangent avec un air presque... désinvolte. Et même intransigeant. C'est ce qui lui donne ce côté biomortis que l'on retrouve dans l'art roman et néo-contemporain du 20e siècle. Puissance. On y sent le confort maternel de la maison paternelle chez l'orphelin, dans l'inconscient de l'artiste. Une recherche de l'aventure à la manière des grands héros mythologiques de la Grèce antique. Par ici, mon bon aveugle ami. Sœur, vous voyez pas les couleurs. Ça fait si dur à expliquer. Vous voyez rien. Et votre rien à vous, c'est ce que nous, on appelle noir. OK. T'es pas sérieux? En peinture, rien, ça s'appelle blanc. Et ça, c'est à cause que quand on achète une toile vierge, c'est blanc. Suis-tu loupé? Pas de problème. Ben ça, c'est rien. Il n'y a pas de couleur, pas de signature, pas de peinture, rien. Et ça, c'est exactement la même. Espace 5683. Ils sont les voyageurs de l'astronef Mein Kampf 3. 5 ans après s'être fait exiler de la Terre, ils sont toujours à la recherche de Souras pour assouvir leur vengeance. I wish I was a spaceman, the fastest guy alive. I'd fly you round the universe in Fireball XL5. Way out in space together, conquers of the sky. My heart would be a fireball, a fireball. Every time I gaze into your starry eyes, we'd take the path to Jupiter, and maybe very soon we'd cruise along the Milky Way and land upon the moon. To a wonderland of stardust, we'll zoom our way to Mars. My heart would be a fireball, a fireball, 'cause you would be my Venus of the stars. Journal du capitaine numéro 483.9. Nous avons repéré ce matin la présence d'un vaisseau spatial d'origine inconnue et sûrement inférieur. Comme preuve de notre virilité magnifiquement masculine, nous allons leur botter le cul et en faire du combustible. Capitaine, le vaisseau inconnu est présentement à portée de transmission. Préparez la transmission. Mademoiselle Olga, quart de puissance. Vous pouvez y aller, capitaine. Bonjour, enfoiré d'extraterrestre. Je suis le capitaine Hans Greger et nous ne sommes pas ici pour une mission pacifique. Nous, de la race des téléphones cellulaires, de la télévision et des faux micro-ondes, sommes là pour vous détruire. Nous vous demandons donc gentiment de nous conduire à votre planète et de nous la rendre sans espoir. Merci de votre collaboration.
Nous recevons qu'une réponse de l'ennemi. Oh my Führer! Mais m'a te laisser, moi, c'est pas que c'est plate à attendre avec toi, mais faut que j'aille faire d'autres bonnes actions si je veux avoir le gradre de cèdre fougueux! Tu vas peindre des bisons. Je sais pas s'il faut dire peindre ou peinturer, mais l'important c'est que ça fait dans la chanson. C'est l'histoire de sauterelle utile, la plus cruche mais la plus utile. Avec les scouts qui sont ses seuls amis, faut qu'elle fasse une bonne action, ben sinon va falloir qu'à peinture des beaux petits bisons.